Bonsoir à les auditeurs et auditrices de Am Africa World, de la radio du donner et du recevoir. Il est 21h49. Veuillez nous excuser pour ce petit retard cette fois-ci. On a bien voulu balancer une publication informatique plutôt pour signaler l'interview spéciale que nous allons faire dans notre espace audiovisuel Am Africa World. Il est présentement 21h50, heure de Paris, et nous sommes bien en direct de notre espace radio Am Africa World. Am Africa World, la radio du donner et du recevoir, c'est vrai, c'est Am Africa World Radio TV. Eh oui, bonsoir à tous ceux qui nous captent. Vous qui nous captez en ces moments précis, et nous vous remercions pour votre écoute et votre attention sur cette interview spéciale, parce que nous avons aussi invité la maman Françoise Loutalakabé, une femme de feu, une femme qui a traversé les hauts et les bas. Une femme qui a traversé le montagne. Une femme qui a vu la main puissante de Dieu. Une occasion pour nous, pour que notre foi se fortifie. Voilà, donc là j'ai dit ceci. L'émission, c'est une interview spéciale parce que maman va nous quitter demain. Et bien évidemment, elle était invitée pour témoigner de ces trois grandes journées de témoignages que vous avez vu circuler sur notre forum, notre réseau social de Facebook, la page, l'événement et tout. La maman a bien tenu toutes ces trois journées de témoignages de vendredi à dimanche. Évidemment, la journée s'est bien passée, les trois grandes journées, elle a témoigné la main de Dieu, elle a témoigné de sa vie, mais nous avons voulu aussi qu'elle passe quand même dans notre espace audiovisuel Am Africa World Radio TV pour qu'elle puisse quand même laisser aussi une partie de son témoignage afin de servir à la vulgarisation de la main puissante de Dieu dans sa vie et aussi pourquoi pas interpeller tous ceux qui sont aussi dans ce genre de vie ou de son, dans ce genre de monde qu'avait traversé autrefois la maman Françoise Loutalakabé. Comme vous le savez, Am Africa World, c'est une radio qui milite pour l'éveil de la conscience, tout ce qui concerne l'histoire, et tout ce qui concerne la diaspora africaine, de son épanouissement et le développement de l'Afrique. Am Africa, c'est aussi l'association qui milite aussi sur le détachement du passé, à savoir la colonisation, le néocolonialisme, la traite négrière, pour se libérer de ce passé sombre au moyen de ce travail psychologique, psychospirituel, pour le détachement du passé africain et pour l'épanouissement des Africains. Donc ce travail-là, même pour le détachement, nous n'avons pas encore commencé à le faire. Tout simplement parce que il faudrait d'abord en finir avec les livres La souffrance d'un continent que moi, votre maman Fiza,
l'élève de la conscience, la visionnaire fondatrice de l'Am Africa World, qui est en train de rédiger ses livres compte tenu de nombreuses occupations. Ce livre n'a pas encore fini, mais seulement la souffrance d'un continent, une fois que ça sera fini, c'est alors que nous entamerons ce travail de sensibilisation et conscientisation pour le travail du détachement du passé africain. Et bien évidemment, nous avons aussi un slogan que nous disons, le spirituel contrôle le naturel. Nous avons jugé bon, en tout cas au sein de notre équipe Am Africa World, de pouvoir interpeller aussi les Africains sur la notion de la spiritualité qui contrôle le naturel. Nous avons voulu au sein de Am Africa World mettre aussi l'accent sur ce qui est spirituel, c'est-à-dire l'immatériel, enfin de pouvoir mener une bonne vie. C'est-à-dire, si le spirituel est mauvais, il est évident que votre vie aussi physique puisse être mauvaise. C'est-à-dire, si votre esprit est sous le contrôle d'un esprit du mal, il est évident que votre vie physique aussi, rien ne puisse marcher. C'est de la même manière que un esprit du bien, un esprit de Dieu, un esprit saint, qui contrôle votre vie, il est aussi évident que votre vie puisse aussi bien marcher. Le spirituel contrôle le naturel, c'est bien ce domaine-là que nous sommes opérationnels au sein de notre équipe Am Africa World. C'est là où vous voyez par moment, nous venons avec des enseignants bibliques, nous venons avec, pourquoi pas, des historiens qui viendront aussi circuler dans notre espace sous notre invitation, évidemment, et aussi pouvoir libérer des messages de paix, des messages de salut, compte tenu de la notion que nous avons sur le spirituel qui contrôle le naturel. Alors, présente-moi ici, j'ai à mes côtés la maman Françoise Loutala Kabé, que vous avez vu aussi quand nous avons balancé l'invitation, enfin la publicité de son action. Elle a interpellé les gens de venir et les gens ont bien voulu honorer aussi de leur présence à ces trois grandes journées. Et la fin d'une chose vaut mieux et son commencement, tout est bien et qu'il finit bien. Dans sa journée de dimanche, nous avons vu vraiment la joie de Dieu, la joie de l'Esprit et la présence de toutes les églises de Durène d'avoir aussi rehaussé de leur présence dans cette grande journée de témoignage de Maman Françoise Loutala Kabé et que nous bénissons Dieu. C'est vraiment bon, c'est vraiment agréable et doux pour mes frères de demeurer ensemble. Et là, nous remercions pour l'occasion aussi toutes les églises de la ville de Durène. C'est une petite ville de l'Allemagne qui relie entre Aix-la-Chapelle et aussi Cologne. Évidemment, c'est là où s'est déroulé le 3 grandes journées. Et pour l'occasion, nous remercions toutes ces églises-là. Nous remercions tous les pasteurs de l'église des Rochers, de l'église de Don de Dieu, de Pasteur Dieu Donné, de l'église des Rochers, de l'apôtre Marvin Marouvou, de l'église Mangembo de Pasteur Bonimoma, de l'église Sion de Pasteur le Berger Willy Niembo. Tous ces gens étaient bien là dans le rendez-vous du dimanche. Que Dieu vraiment les bénisse parce que sans eux, la fin n'allait pas vraiment bien se dérouler. Et ils ont joué, ils ont loué, ils ont vraiment manifesté le don du gospel qu'ils ont de adorer Dieu et toute l'équipe d'adoration des chantres de l'Éternel de toutes ces trois églises ou quatre églises vraiment ont bien voulu agrémenter cette journée et c'était merveilleux. Voilà, donc j'arrive là, je vais d'abord saluer Maman Françoise Loutala. Bonsoir Maman Françoise Loutala. Bonsoir Faisan. Bonsoir Maman. Voilà, vous avez entendu sa voix me répondre, elle est bien à m'écouter. Donc, comme pour le cas des spirituels qui contrôlent le naturel, nous allons faire une petite interview avec Maman Françoise Loutala. Pour l'occasion, nous demandons à notre régie de pouvoir nous préparer une bonne musique chrétienne aussi. Vraiment, elle est bien devant sa portée, qui nous balance une musique chrétienne, une musique qui loue Dieu, Dieu de Maman Loutala Françoise. Elle-même parlera, elle-même donnera
sont un témoignage de, de comment elle a vu la main de Dieu dans sa vie. On a juste une étude, Dieu nous dit tant, donc nous sommes là pour courir avec, avec le temps. Mais en attendant, nous demandons aux régies de nous balancer une musique chrétienne. Si il est bien là, il peut nous faire signe. Allô, 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 allô. Le samba des hauteurs, le samba rendez-vous à Balonki, le samba rendez-vous à Motonan Zambé. Alléluia. Neko kubanga banga te, uyo asala elaka. Akukusaka te, ya umela ye, ya bongwa nakate. Biblia, itali sibiso, que sa renome. C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Qui passe et l'équipe, et si pas kata et moniseli, dengue comme la kiba et colina, c'est la yemaïus. Mais si tu crois, tu verras la gloire du Dieu. Et si seulement, et comme maman, ta colombo la gâteau, tombe, ou yo a sala et la ka. Likambonangai na yeba esika ya zalie. Likambonangai na koma pembeni na yo. Oh Yesu na muna elongi na yo. Eyano nangai kuna nangoba lo sambo. Eyano nangai kuna nangoba kukila. Likolo ya ngomba ata Yesu. Yesu Kiti sakamoto Likolo ya ngomba O Yesu yomoni sakangu ya nayo Likolo ya ngomba O Yesu yokiti sakamoto Likolo ya ngomba O Yesu yomoni sakangu ya nayo. Ce bélico yanola a cet appel à la montagne, Seigneur. Mbombane arena yo Yahweh. Le sang de l'adresse au ciel na yo kolo. Le sang de fils de l'atterrissage na yo zambé. Alléluia. Elle y va le Mbombane. Oh, Ikolo, Ikolo, ya sete. Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'appeler la mort. Et la Sakanguya na yo. Oh, masali minini, uyo toko lula lelo. Solo
ndi kubayebi sekele Likulu ya gomba Oh Abraham Mputu Ye papa ya kondima Abenga nzambe shoba shire Likulu ya gomba Alléluia. Oh Moïse Aaron a eu revilombe na kondima Balonga libota hamale Allô, allô, nous sommes de retour dans notre plateau, dans notre studio, en direct à Mafrika World, spécial interview avec Maman Françoise Mutalakabe, connue surtout sous le nom du couvent au salut de Dieu. Donc, c'est un témoignage, c'est depuis, elle-même, elle avait dit, depuis 83 qu'elle a été délivrée, donc ce n'est vraiment pas un témoignage récent, mais toutefois, c'est quand même très édifiant pour que nous aussi, nous puissions encore en bénéficier de façon réelle qu'elle est bel et bien vivante. Elle est toujours en vie, elle est toujours opérationnelle dans l'œuvre de Dieu et dans bien beaucoup de choses qu'elle fait elle-même à partir de l'Angleterre. Mais apparemment, ce qui nous concerne, c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Nous l'avons voulu l'inviter aussi pour l'occasion, afin qu'elle nous passe son témoignage qui est vraiment fort édifiant. Et nous tenons à ce que, à tous nos auditeurs qui nous suivent, dans notre espace radio en direct à Mafrika World, la radio du donner est du recevoir, c'est-à-dire nous vous donnons ce qui est de nôtre, nous vous donnons nos informations, nous vous donnons ce qui est de nos potentialités, ce qui est aussi de nos valeurs ou de nos visions, de nos aspirations, mais nous recevons aussi
votre écoute, votre attention, ce qui fera ce que vous nous posez aussi des questions. Et le fait de poser des questions, c'est la preuve qu'on nous a bien et bien suivis. Et c'est là, ça fera aussi notre force. Voilà, maintenant, nous entamons notre interview. Vous avez fini avec la chanson de Laure Mbongo, la servante gendre de l'Éternel, celle qui a chanté Nangomba, Nangomba, là, sur la montagne et tout ça. Donc, moi-même qui vous parle, je suis Maman Faisa, servante de Dieu aussi, hein, je suis une évangéliste par vocation, hein, itinérante, c'est-à-dire, je me déplace par moment, occasionnellement surtout, parce que je ne me focalise pas vraiment assez sur ce travail, mais normalement, je suis aussi invitée de temps en temps aussi à rehausser de ma vocation évangélique, mais en dehors de ça, je suis aussi patriote pour ma patrie, la République démocratique du Congo, pour laquelle je suis originaire. Voilà, donc nous sommes là sur notre plateau. Maman Françoise Loutala, c'est vraiment aujourd'hui l'occasion pour nous à Mafrika World de vous recevoir sur notre plateau. Nous sommes vraiment dans la joie que votre voix puisse aussi rester comme souvenir et archive dans notre espace radio TV Mafrika World. Maman Françoise, pouvez-vous nous parler un peu de votre origine? Parce que nous tenons tant à l'origine, parce que chez nous, ici dans l'Afrique, nous parlons aussi sur les tribus, l'histoire des tribus du Congo. Ceux qui consultent notre site informatique amafricaworld.com, là nous archivons aussi certains documents historiques dans les cadres du devoir de mémoire. Nous avons dit dire être congolais, c'est vague. Mais il faut préciser congolais, mais de quel côté, cela nous aide aussi à comprendre de quel côté peut se trouver la personne et aussi se faire une idée, compte tenu aussi des problèmes de la crise identitaire qui se trouve aussi dans notre pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion ou le temps de parler sur le Congo. Mais nous allons parler quand même sur ce qui concerne le spirituel contre le naturel, tout en sachant que quand le spirituel est bien battu, est bien debout, est bien géré, est bien dirigé, à le naturel, s'il vous plaît, il y a quelque chose de bon qui peut se faire. Voilà pour l'occasion, j'ai dit Maman Loutala, parlez-nous de votre origine, qui êtes-vous, d'où venez-vous, Congo est grand, est-ce que vous êtes de Kassai, est-ce que vous êtes de l'Équateur, est-ce que vous êtes, parlez-nous de vous-même, Maman Loutala, François, la parole est à vous. Merci Faisa, je suis originaire de Kivu. Précisément à Chabunda, dans la région du Kivu, dans le sous-région du sud Kivu. Je suis Murega, et d'un père Murega et d'une mère Murega, qui nous a quittés il y a deux mois à peu près. Je suis né de monsieur Hassan Nipel, et de maman Bieka Marguerite. Alors, je profite pour dire les condoléances pour le regretté papa qui vous a quitté il y a de cela deux mois. Merci, donc vous êtes nos regards. Mais maman François, je tenais quand même à souligner, parce que vous savez, nous, on vous a découvert sur le témoignage écrit dans le livre Du couvent au salut de Dieu. Et là-bas, on vous avait dit que vous étiez rwandaise, de soit votre papa ou soit votre maman. Et là, vous nous dites que vous êtes nos regards des deux côtés. Et donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, il y a quand même une confusion. Pouvez-vous nous préciser, nous expliciter pourquoi une telle confusion si vous-même vous dites ça? Il y a une confusion au niveau de celui qui a écrit, qui a du moins pris mes manuscrits. Je regrette pour cette erreur que notre frère a fait, c'est un de mes enfants spirituels, mais il a écrit ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis connu d'ailleurs de plusieurs personnes, mon père me maman, ma mère me maman, donc nous ne sommes pas une famille inconnue. Et je suis connu, hein, que je suis né vraiment de... Le Baréga d'abord, c'était, on peut dire que c'est un peuple qui se mélange pas tellement. Et que vraiment mon père, son village natal, c'est Alugungu. Et mon père, c'est à Kipombi. Donc nous sommes Baréga 100%. Et nous n'avons jamais été mêlés à une autre race d'ailleurs. Ok. C'est sauf que moi, j'ai épousé quelqu'un qui est de Bandundu, qui est Moussengele plus tard. Mais je n'avais pas.
je ne suis pas ça n'engage que celui qui a écrit ça, et c'est pour cela que quand j'ai écrit mon livre, j'ai bien déterminé et donné vraiment l'éclaircissement sur ça. Il a fait cette erreur et beaucoup d'autres d'ailleurs dans ces livres-là. Et dans mon livre, toutes ces choses sont corrigées. Dans mon propre livre qui est intitulé Des ténèbres à son admirable lumière. Ok. Voilà. Donc là, c'est vraiment maman François Loutal elle-même qui est en train de parler pour essayer de mettre un peu une rectification sur le fameux livre du couvent Au salut des dieux, parce que là-bas, on l'a présenté comme moitié rwandaise et moitié congolaise. C'est très important que nous puissions quand même aujourd'hui bénéficier de cette clarification. Mais maman, je ne sais pas, mais bon, pour écrire un livre, quand même, il faudrait. On aurait pu avoir de votre apport, de votre participation, mais comment se fait-il que, je ne sais pas, mais bon, est-ce que... Oui, ce jeune, il était jeune homme à l'époque, et il avait vraiment des talents, et il voulait écrire, et je lui ai donné le feu vert d'écrire. Ah, okay. Mais à une condition, qu'il écrive le livre ensemble avec moi. Raison pour... J'insistais parce que je savais qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas de moi. Il y a, par exemple, cette erreur qu'il a mise de mon identité. Il y a aussi beaucoup d'autres erreurs qu'il a mis dans les livres. Bon, je n'ai pas poursuivi ces gens qui ont écrit, tout simplement parce que, dans ma manière de voir les choses, je sais que les enfants de Dieu font beaucoup d'erreurs. C'est une piraterie. Mais je ne les ai pas poursuivis parce que quand j'ai essayé d'écrire aux éditeurs, ils m'ont tout simplement insulté et que vraiment j'étais choqué de voir que l'église de Dieu fait des choses comme ça. Mais je les ai pardonnés et que je laissais cela passer, mais j'ai corrigé toutes choses dans mon livre. Ok, déjà comme vous avez donné de votre accord, je pense que c'est peut-être une incompréhension ou quelques dérapages, mais bon, heureusement que vous êtes... Non, un accord pas pour écrire immédiatement, parce qu'il fallait qu'on écrive ensemble. Lui, il n'a pas écrit le livre avec moi. Il a pris seulement certains des manuscrits et des choses que lui, il veut compter. Parce que dans les témoignages, on ne peut pas, quand on parle pour 40 minutes ou 50 minutes, on ne peut pas parler donc de tout. Par exemple, sur la Rose-Croix, il n'a donné pas de détails vraiment conformes. Okay. Sur la magie secrète, même il y a sur l'islam, sur tout ce que je fais. Ok, justement, maman, c'est vrai que bon, là, c'est encore la deuxième question, mais on a eu des sous-questions par rapport à la première question qui était de vous parler de votre origine. Ok, merci. Voilà, donc la deuxième question, évidemment, nous revenons aussi avec la magie secrète et tout ça, parce que pour moi, c'est vraiment tout étrange. La magie secrète et tout ça, là, je ne connais pas. Mais bon, comment êtes-vous vraiment entré dans cette. Dans cette vie de magie, de rose-croix, de fétichisme, de maïgari. Ce sont des mots, hein. Maïgari. Maïkari. Et alors, puisque vous passez dans Amafrika, nous, des mots comme ça, on ne les laisse pas inaperçus. C'est-à-dire, vous allez quand même nous dire, c'est quoi la rose-croix? C'est quoi maïgari? C'est quoi... oui, c'est-à-dire, même courter, hein, vous n'allez pas entrer en profondeur, mais dire simplement, qu'est-ce qu'on entend parler par rose-croix, qu'est-ce qu'on entend parler par maïgani, qu'est-ce qu'on entend parler par la magie secrète, et qu'est-ce qu'on entend parler par les fétichismes, par exemple. Voilà, maman Loutala, vous avez la parole. Maman Fé, merci pour la parole. Et j'entends parler par... Comment d'abord on est entré dans... Ok, je suis entré dans ces cycles terribles, obscurs, par l'ignorance d'abord. L'ignorance de mes parents qui ne connaissaient rien de la Rose-Croix. Et deuxièmement, mon ignorance aussi étant jeune et puis par la curiosité. Et le troisième point, c'est que il y a aussi une part de désobéissance qui a fait que je puisse faire quelque chose qui pouvait m'amener à avoir une possession sans que je m'en rende compte. Parce que moi-même, étant un enfant, je ne pouvais pas comprendre ces choses. D'abord, à l'âge de 8 ans,
Ma l'oncle paternel et maternel se trouvaient dans le noyau de la Rose-Croix au Congo. Et ils ont demandé à mes parents que je sois enrôlé dans la Rose-Croix en tant que colombe. Les colombes, c'est un titre qu'on donne aux enfants qui sont dans la Rose-Croix pour servir, danser, faire des petits travaux dans des cérémonies ou dans des réunions de chrétiennes. Et ces enfants, ils entrent en contact avec des enseignements de la Rose-Croix sans qu'ils s'en rendent compte et qui sont destructifs. Parce que c'est après que j'ai découvert que c'est vraiment destructif. Mais à première vue, c'est quelque chose qui est normal parce qu'on ne parle pas du mal de certaines choses comme la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une sagesse. On ne parle pas du diable. Le diable, on pense que c'est tout simplement une personnalité importante qui a su se défendre, qui a su montrer de quoi il était capable, que Dieu, lui, il cache aux hommes ce qu'il faut que les hommes sachent, et que lui, il a eu l'audace de contraindre Dieu et de donner aux hommes les informations dont ils ont besoin pour devenir aussi de Dieu. Voilà. Et quant à la Maïkari, par exemple, c'est une secte japonaise. Je parle de secte, comme aussi la Rose-Croix, je mets tout cela dans... La Maïkari, c'est une secte japonaise. Ouais, je mets tout ce dans le même lot. C'est-à-dire que ça, vous allez être captivés à adorer tous les ancêtres, les dieux, les ancêtres surtout des Japonais, parce que vous n'êtes pas vraiment, on ne vous parle pas tellement de vos ancêtres à vous, mais vous allez à entrer en contact avec plusieurs choses, mais qui sont purement japonais, et là... Ça sent comme une sorte de l'esclavage. Oui, une sorte de l'esclavagisme, bien sûr. C'est quand même... c'est supprimé, donc en Maïkari, c'est la magie. Ouais. C'est une secte de japonais où on adore les ancêtres japonais. Ouais, et puis on voit plein de... Par exemple, quelqu'un qui devient maïkarien, dès qu'il est initié, il a l'omitamment, tu deviens carrément un esclave. Parce que l'Ogmitama a beaucoup de règles. Et toutes ces règles sont vraiment terribles et nuisibles, si vous voulez. Parce que moi, j'ai eu toutes ces choses et ça a été trop dur. Parce que avec ces lois, ne touche pas à ceci, ne regardez pas cela, n'aimez pas que l'on ne touche pas l'Ogmitama, que tu ne le fasses pas voir. Que l'eau ne puisse pas les toucher. Toutes ces choses sont terribles. Et quand tu dois aussi voir, faire le culte des ancêtres des Japonais, parce que ce n'est pas tes ancêtres à toi. Tu vas faire le culte des ancêtres tous les jours. Tu dois mettre de la nourriture devant le culte des ancêtres. Donc, il y a tellement d'interdictions et de choses à faire et de l'argent à dépenser en plus, comme dans la Rose-Croix, même. Donc, toutes ces choses-là, c'est... Et puis, si vous voulez, la magie secrète aussi, ça c'est propre seulement à l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle vous trouverez avec toutes sortes de cultes qui ne sont pas dans la Bible, à cause de la magie secrète. Et ça, c'est introduit, même historiquement, les gens peuvent chercher, même à l'intérieur, ils peuvent voir des coups, parce que c'est dans l'histoire, de toutes les façons. Vous pouvez découvrir comment certains droits pontifs, ils ont introduit, chacun, quand il devenait souverain pontif, il introduisait ce qu'il connaît, ce qu'il a. Et c'est ce qui a fait que l'Église catholique a perdu vraiment énormément les choses qui devaient transmettre comme évangile, et l'évangile a été transformé. Comme nous pouvons aussi dire, il y a aussi qui introduit la magie, ah, qui a aussi, donc c'est-à-dire, je sais pas que
dans le catholicisme. Non, je parle de ce que je fais. Je ne parle pas de ce que les pasteurs font aujourd'hui. Je sais pertinemment qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui parlent au nom de Jésus, mais qui n'ont pas Jésus. Moi, j'ai vu un cas à Paris, un pasteur qui reste dans, qui laisse un sac dans la maison d'un fidèle, mais il y avait un serpent qui est resté inamené dans la maison de ces gens-là. Et j'ai été témoin, parce que quand le monsieur a essayé de tuer les serpents, sa main était bloquée. Et j'ai dit prier pour la personne, pour que la personne soit libérée. Et des choses comme ça, c'est beaucoup, parce que celui-là, on pensait qu'il est chrétien, il est pasteur. Voilà, donc à coup d'une interview, vous n'allez pas savoir tout nous dire, justement pour ceux qui voulaient, ou ceux qui veulent, dans le témoignage de Maman François Moutala, bientôt, il y aurait la publication de son livre, Les Ténèbres à la Lumière, où tout est écrit là-bas, et en même temps, on ne sait pas si l'invité ou comment, donc un pasteur, ou comment, donc il sera disponible pour contacter l'Africa, ferons la connexion ou la commission. Voilà, mais pour avancer, donc vous avez compris, apparemment Maman Moutala, tous ces mots, rose quoi, amalgamie, fétichisme, tout ça là, ça va à l'honneur de qui? Donc ça dit, quand vous avez dit la amalgamie, apparemment c'est pour la toute première fois que je sais maintenant que amalgamie c'est quelque chose où Maïkari, si je veux bien. Oui, ou Maïkari, ou quelque chose comme ça, peu importe. C'est-à-dire, c'est une sorte de secte qui est appliquée ou qui est vraiment proprement dite japonaise. Et que là, on adore les ancêtres japonais. Oui. Ah ben ça, c'est vraiment pour l'Afrique, c'est vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, c'est-à-dire qu'on adore les ancêtres des japonais et chez les Africains. Écoutez, je préfère encore ceux qui adorent les ancêtres africains. Mais bon, ceux qui sont dans Maïkari, vous allez adorer les ancêtres japonais. Est-ce que vous ne pouvez pas glisser chez les Maïgariens ou je ne sais pas quoi, c'est, ça dit que bon, je veux quand même que le nom de mon ancêtre rentre aussi. Est-ce qu'ils ne veulent pas? Ou bien c'est justement. Non, parce que la plupart des choses aussi c'est écrit en japonais. Quand on vous traduit cela, bon, est-ce que si vous ne connaissez même pas d'abord la langue, vous êtes seulement en train de suivre cela à la veuglette, des choses qu'on vous dit sans comprendre. Bon, je ne sais pas, à ce moment, il s'est dit, moi, au moment où j'étais là, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est maintenant traduit dans d'autres langues. Ça, je ne sais pas. Il y a un mot qui vous avait dit, l'ignorance des parents. Et c'est à cause de l'ignorance des parents sur la Rose-Croix que vous êtes entré dans cette vie de magie et tout ça là. Comment pouvez-vous dire ça, l'ignorance? Comment, c'est-à-dire les parents ne savaient pas que la Rose-Croix était mauvaise, ou bien le droit qu'ils donnaient leurs enfants à les fréquenter, ils savaient pas que... Tous les parents qui écoutent, vous avez des enfants, écoutez encore, profitez-en pour comprendre aussi sont vos aimes, les parents, vous pouvez aussi conduire les enfants dans les maintenant avec lui, Maman Moutala Françoise Kabou. J'ai eu des très bons parents, des parents très aimables, des parents très très conscients et vraiment très conscients. Très conscients. Mais ils étaient ignorants. Et le problème, c'est que mon père ne savait rien. Oui, parce que la conscience, par exemple, nous disons, la conscience, c'est perception, c'est connaissance qui nous éclaire de notre existence, qui est le monde extérieur. Donc, si je connaissais vraiment le monde extérieur et tout ce qui nous entoure, je pense que... Non. Quelqu'un peut être conscient de la manière dont il mène sa vie avec ses enfants. Oui. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais injurié une personne parce que je l'ai appris de mes parents. J'ai été responsable dans ma vie. Je n'ai pas fait des choses à part tous ces œuvres magiques que je suis en train, où j'ai tout gâché. C'est parce que mes parents, ils connaissaient pas d'abord ce que c'est. Hein, aussi l'ignorance que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup de Congolais, jusque là, nous ne voulons pas étudier, nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas connaître beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est le temps de la technologie. Aujourd'hui, c'est le temps de la science. Mais les gens ne savent pas. Les parents, peut-être, ils n'ont pas eu le temps de le faire à l'époque, mais ils ne connaissaient pas ce que c'est la Rose-Croix. C'est pour cela que je voulais rappeler que c'est juste ce qui va me permettre de connaître mieux la religion. Parce que la Bible a juste un peu. Que la Bible ajoute un peu de vérité, ce n'est pas une vérité totale. Et mon père a cru à ça. Parce que d'abord, ces gens-là étaient déjà influents de la famille.
c'est eux qui sponsorisaient des gens dans la famille à ce qui concerne les études. Et maintenant, mon père a cédé parce que ce sont des gens respectés dans la famille. Il a compris, mais il n'a pas su. La seconde chose sur l'ignorance, c'est que le Saint-Esprit, parce que c'est une question du spirituel. Comme mes parents, quand il a été dans une religion et il est mort là, dans sa religion, et il ne connaissait pas le Saint-Esprit qui peut lui révéler les choses cachées. Parce qu'il y a ceux qui sont en Jésus qui doivent avoir, qui doivent connaître les choses cachées. Et mon père n'avait pas le Saint-Esprit qui pouvait lui révéler les choses cachées. Dans leur église, il était dit que les choses de Jésus, c'était seulement à l'époque, les apôtres, aujourd'hui, les miracles, les Saint-Esprit, toutes ces choses-là, ça devenait de l'histoire. Et raison pour laquelle mon père ne pouvait pas comprendre qu'il y a des choses qui peuvent s'obtenir, qui peuvent être comprises seulement si quelqu'un est entré en contact avec l'Esprit de Dieu qui doit lui révéler les choses cachées. Et il a compris plus tard, hein, c'est même la cause pour laquelle j'ai été délivré. Ok, donc sans commentaire, nous avançons. Que ressentiez-vous pendant que vous menez une telle vie, de la magie, de toutes ces histoires, de votre fétichisme, de vos et tout? Comment ressentiez-vous dans cette vie-là, dans votre peau? Est-ce que vous avez eu la paix intérieure? Comment c'est spiritualité, parce que c'est ça, c'est l'espiritualité du côté naturel. Comment, avec cette vie-là, toutes ces choses-là, le contact avec tous ces mondes-là, comment était votre vie physique finalement? Faisant, comment est-ce que quelqu'un qui est possédé par des mauvais esprits peut avoir une vie normale, hein? J'ai été dans une misère indescriptible. Je vais vous donner l'exemple. J'étais malade d'abord, cancéreuse, car où je marchais, voilà, les fétichismes, j'étais cancéreuse et que j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais faire dans tous ces endroits où je parcouru pour essayer de trouver cette guérison, mais je ne pouvais pas la trouver. J'étais cancéreuse. Ensuite, j'ai perdu tous mes biens parce qu'en cherchant, là où vous allez, vous serez en train de perdre, de donner tout ce que vous avez, de payer ceci, de payer cela. Vous dépensez énormément. Ensuite, le monde des ténèbres ne vous laissera jamais tranquillement comme ça continuer à sillonner le monde sans vous ravir tout ce que vous avez. Donc c'est une misère indescriptible. C'est ce qui dans cette magie-là. Ça dit ce que vous avez vécu, c'est à dire que vous vous êtes retrouvée cancéreuse. Je me suis retrouvée d'abord cancéreuse. Je me suis retrouvée sans enfants parce qu'ils étaient morts tous. Tous mes enfants sont morts, et plus ma bonne. Et pourquoi ils étaient-ils morts? Ils étaient malades? Assassinés par les Rosicriciens, les grands maîtres. Assassinés par les grands maîtres. Ouais. C'était donc une sorte de compte à rendre, alors, dans le monde que vous étiez entré. Pas une sorte de compte à rendre, mais c'est une sorte de te voler tout ce que tu as d'une façon vraiment maligne. Parce que ils m'ont envoyé certains documents à signer qui étaient qui semblaient être bons et protectifs. Mais quand j'ai commencé quand j'ai appliqué cela, et la vie a basculé, la vie de mes enfants a basculé, parce que l'enfant, mon premier fils, il a commencé à recevoir des points extraordinaires à l'école. Mais à la maison, quand je suis en train de les suivre pour essayer d'écrire, de faire ses devoirs, l'enfant ne sait même plus écrire son nom. Et ça, c'était étonnant. Hein? L'enfant, à la maison, il ne sait même pas écrire son nom, mais à l'école, il est premier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Donc, ce sont des choses démoniaques qui s'est passé là. Et je n'étais pas heureuse parce que mon enfant ne sait même plus écrire son nom. Les enfants, ils n'ont pas... ils n'ont pas récupéré leur mémoire correctement. Il y a eu toujours ces problèmes-là. Les enfants avaient des problèmes inexplicables. Et même tous les Rosicriciens d'ailleurs, leur fin est toujours bizarre, mais ils meurent toujours, ils finissent toujours dans la misère, dans des problèmes incroyables, indescriptibles. Donc, c'est quand vous êtes dans toutes ces sectes-là. Est-ce que je peux vous poser un peu la question de savoir le pourquoi rose, quoi? Il y a une croix rose là-bas, ou peut-être une croix rose. Évidemment, il y a une croix. Mais et cette croix-là, c'est la croix de Jésus quand même renversée.
Donc, cette croix s'est renversée. Et cette croix dont nous avons, et elle n'est pas la même que celle de que l'Église utilise. Voilà, dans le cadre de l'éveil de la conscience, nous allons parler un peu de cette personne Jésus, mais dans un autre sujet. Donc, nous allons dire, par exemple, vous avez connu la maladie de cancer pendant que vous avez appliqué la rose croix, la maigrie, le magie secrète, le fétichisme et tout ça, mais vous n'avez pas la paix intérieure puisque vous étiez malade et vous étiez dans la recherche de votre guérison. Et quels sont les endroits, ça dit la maigrie, qu'avait-il promis pour que vous soyez guéri de votre cancer, ou quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour quand même retrouver la santé? Comment avez-vous fait alors? Parce que pour moi, je verrais bien, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, bon, c'est tentant de pouvoir aussi connaître la rose croix, le macari, le magie secrète. Est-ce que je m'entends un peu ce monde-là? Mais vous, vous y avez vécu. Alors, vous étiez aussi cancéreuse. Je pense que si tout ce monde-là t'avait guéri de la cancer, apparemment, vous n'allez pas arriver jusqu'à aujourd'hui à confesser Jésus. Je ne pense pas. Parce que j'ai eu la grâce de Dieu de ne pas être... De ne pas avoir même une petite paix là-bas, et pour que je demeure toujours malade, j'ai fait trop de choses. Et vous savez, dans tous ces mondes-là, quand vous allez, par exemple, qu'on sait que vous êtes malade, par exemple, dans la Rose-Croix, j'ai effectué beaucoup de voyages astro pour aller dans certaines réunions mystiques où je devais effectuer certaines démonstrations mystiques pour montrer que avec ça je pourrais guérir. Et cela m'a coûté aussi beaucoup d'argent parce que chaque cours de monographie coûte cher. Monographie, c'est quoi? Monographie, c'est le titre d'un maître quelconque que vous avez choisi. Et dans ce cours-là, vous le payez très cher et vous devez étudier et le pratiquer. Et c'est presque pareil dans la Maïkari. En fait, tout ça sont des mouvements philosophiques, ils disent philosophiques, ils sont seulement spirituels, philosophiques, scientifiques. Mais en fait, quand vous allez commencer à pratiquer cela, vous serez éloigné carrément du vrai spirituel. Parce que vous êtes dans un autre monde que vous allez découvrir où il n'y a même plus un Dieu qui vous sauve. Mais vous avez affaire à plusieurs dieux de beaucoup de nations, parce que vous allez avoir droit à chercher dans les sorciers, chez les sorceries, parce que c'est considéré tout simplement comme une sagesse. Vous allez avoir à mettre votre nez dans certaines religions comme les bouddhistes, les hindouistes, parce que pour atteindre les nirvana, on avait besoin d'entrer dans les enseignements du bouddhisme. Donc encore des mots et que des mots, alors là en Afrique ça passe pas. C'est encore quoi les nirvana, voyage astro, c'est comme moi. Voilà, donc notre espace fait vise plus la prise de conscience, donc certains mots et peut-être étranges sont étranges pour certaines personnes faibles dans l'esprit. Beaucoup de gens voudraient vous dire que quand je dis atteindre le niveau là, c'est-à-dire atteindre une sorte de perfection, mais atteindre de vraiment. Ça c'est le niveau là. Mais voilà, vous la connaissez où dans ça? Dans le Maïkari, ou dans les choses, le bouddhisme, ou les chinois. Vous avez parlé de ça. Ouais. Dans la Rose-Croix, quand je parle de voyage astro, c'est-à-dire. Ah, donc, Nirvana, c'est atteindre la perfection. C'est une sorte de perfection selon eux. Ok. Hein? Alors, vous voyez? Quand vous êtes maintenant en train de faire les voyages astro, c'est-à-dire que vous avez développé des sens de manière que vous pouvez sortir de votre corps et aller dans un autre espace ou aller dans une autre ville, par exemple dans des réunions de Rosicrucien, sans avoir recours à passer par la douane ou l'avion, par exemple. Votre corps survole. C'est merveilleux, ça. Non, c'est pas merveilleux parce que vous ne connaissez pas l'impact du monde, de votre esprit qui s'évade de votre corps. Parce que si votre corps, votre esprit s'évade de votre corps, fait une petite erreur, vous êtes évadé de votre corps, c'est définitif. Il n'y a personne qui... Votre corps peut-être physique ne va pas revenir tout de suite, mais c'est la raison pour laquelle vous voyez d'autres qui sont fous, ou ils sont devenus dingues, ils ont des problèmes qu'on ne sait plus résoudre. Parce que le corps de la personne s'est évadé de son corps. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. C'est très dangereux.
Parce que quand quelqu'un, il se substitue par exemple en quelqu'un, il vient dans la forme de quelqu'un et il commence à utiliser la personne. Vous voyez, vous avez vu les frères qui ont pleuré hier parce que leur vie est totalement détruite à cause de leurs frères qui ont été dans la autre, qui ont utilisé toute leur vie. Okay. Hein, même pendant qu'ils vont. Ok, on va tout à l'heure pour gagner encore du temps. Voilà, donc à la recherche de la guérison, qu'avez-vous fait? C'est-à-dire, vous avez pensé que la rose crème n'était pas guérie. Vous avez pensé de fétichisme, bancarie et tout ça, de magie secrète, n'était pas guérie. Vous avez même, parce que ça c'est. Je relate ça ici, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui a suivi votre témoignage. Vous avez soulevé aussi dans le témoignage là-bas que vous avez même, voilà, même le jour de la publication pour lancer la paix à la journée. Vous avez dit que vous avez même consulté le dieu des ancêtres, comment il s'appelait? Ah non, le dieu de mes ancêtres, il est Kimbilikiti. 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 Ça, c'est le dieu de Warega. Ah, Kimbilikiti, le dieu. C'est un esprit qui les Warega. Les hommes Warega adorent. Kimbilikiti. Et la femme n'a pas le droit même de citer son nom. Ah, donc moi je cite la dose, je vais pour deux fois. Non. Je parle de un enfant de Dieu. Oui, les enfants de Dieu ne peuvent jamais avoir des problèmes. Mais si tu cites ça et que tu n'as pas lieu, effectivement, tu vas avoir des problèmes. Non, mais maman, bon, c'est moi. Kimbilikiti. Voilà. Kimbilikiti, les dieux que adorent les hommes regards. Maman avait consulté ces dieux-là pour être guéri de ses maladies de cancer, c'est ça. Comme le petit rose cristienne. Alors, parce que la rose croix ne parvenait plus à faire quoi que ce soit, j'ai épuisé tout ce qui était à mon niveau, où mes supérieurs ont cherché, ils m'ont dit non, ne t'en fais pas, comme ça ne marche pas. Et quelle était la condition que vous avez dit, la condition, parce que le témoin, vous avez parlé de la langue d'une vierge, je ne sais pas comment. Non, ça c'est dans l'islam. Ah, c'est dans l'islam que vous allez me chercher la langue d'une vierge. C'est-à-dire, vous avez tué une vierge? Je ne l'ai pas tué, parce que... Tout ça, la recherche de la guérison. Voilà, c'est intéressant ça. Donc, on avait dit à maman de chercher, parce qu'à la recherche toujours de la guérison, elle a consulté le dieu de ses ancêtres, regarde, donc le nom de ses dieux, Kimbilikiti, qui n'était que prononcé par les hommes, regarde, et la femme n'avait pas droit. Voilà encore la discrimination. Donc, voilà, parce que c'est la discrimination. Et la femme n'a pas le droit de citer le nom d'un dieu, mais c'est les hommes. Donc, ces hommes, regards, sont des patriarcats, je pense. Ah, ça se comprend. Voilà. Donc, ça, c'était aussi quelque chose de retenir. Tous les hommes, regards, sont des patriarcats. Et nous, qui militons pour la femme, et bien évidemment, nous tirons aussi la leçon pour ça, pour comprendre déjà l'état d'esprit des hommes, regards. Voilà. Maman n'a pas vu sa guérison, malgré l'équipe de l'équité. Et bien évidemment aussi, c'est très intéressant, bien évidemment aussi, ça fait que comme elle n'était pas guérie, parce qu'on a attendu certains Africains dire qu'il est temps de revenir au dieu des ancêtres. Alors pour vous, maman, si on vous dit de retourner à votre dieu qui vous a quitté, qui ne vous a pas guéri de la maladie de cancer, je pense que vous allez peut-être ne pas accepter de retourner à ce dieu-là, qui n'était pas permis à une femme de l'adorer, de le citer peut-être, que les hommes regardent. Non, il n'y a que les hommes qui ont accès à aller les voir, parce qu'ils vont là-bas, ils font une initiation, ils se font même circoncire là-bas, il y a plein de choses qu'ils font là-bas, et les femmes n'ont pas droit. Les femmes ne peuvent pas, parce que si tu pars, tu t'aventures même dans la forêt seulement où on est en train d'interner ces jeunes gens qui vont là-bas, tu es morte, tu es morte, tu vas disparaître à jamais. Alors, c'est quelque chose que j'ai eu des peurs que c'est vraiment un démon et que j'ai fait des preuves pour voir que c'est un démon. Le deux, c'était un démon. C'était un démon, okay. Un esprit. Voilà. Comme vous avez posé la question, si on me demande de retourner à celui-là, pour un dieu des ancêtres, moi, je sais qu'il y a des bonnes choses dans notre tradition. Il y a beaucoup de mères qui sont très bonnes et je les respecte et je les accepte. Mais quant à nos dieux, nos ancêtres, et ils existent presque pas, parce que s'ils existaient, avec tout ce que nous sommes en train de traverser là, mais ces dieux allaient nous défendre.
Donc voilà, voilà, vous qui prenez le Dieu des ancêtres, maman elle en a déjà palpé, elle en a déjà vécu, elle cherchait sa guérison, mais elle n'avait pas reçu. Un Dieu qui n'a été adoré, cité que par les hommes, et les regards sont des patriarcats, voilà l'Afrique, et voilà pourquoi la femme aussi est doublement discriminée avec cette culture du viol, mais nous c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et voilà pourquoi maman, si je comprends bien, vous n'avez pas reçu, malgré la rose chrétienne, vous étiez cancéreuse. Le cancer du quoi en fait? L'estomac. De l'estomac. Eh, c'est un organe très fragile. D'abord, oui. Je peux te montrer parce que tu es ma fille ici. J'en ai pas. J'ai eu des interventions chirurgicales. Terrible pour chercher à voir si on pouvait couper un peu. Oui. Mais quand on a ouvert, on a trouvé qu'il n'y avait plus rien à faire. Okay. C'est là que même les médecins m'ont chassé pour retourner. Voilà. Alors, maman, pour couper court, comment en êtes-vous sorti de cette vie maintenant de la magie? Comment en êtes-vous sorti? Voilà. C'est-à-dire. La guérison maintenant des cancers, est-ce que vous avez été guéri? Et puis, en même temps, comment êtes-vous sorti de toutes ces vidéos? Non, mais dans toutes ces choses, c'est pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui règne au-dessus de tous les autres esprits. Parce que je ne pouvais pas sortir de ça. Par exemple, si vous prenez juste la rose croix, c'était impossible de sortir, je dis impossible parce que voir tout ce que j'avais connu, moi qui étais déjà au niveau, je pouvais communiquer avec toute chose, toute nature sur terre, les arbres, les plantes, les tout, les animaux, et que je ne pouvais pas sortir de là indemne s'il n'y avait pas un Dieu qui est au-dessus des autres esprits. Alors, c'est une grâce tout simplement. Je n'ai même plus, je cherchais même plus de guérison vers Dieu, parce que j'ai épuisé tous les dieux que j'avais connus à l'époque, je les ai fréquentés, même le Dieu de l'Église catholique où j'ai été. En tout cas, je suis allé consulter et je vous ai parlé de la magie secrète où on m'a amené ouvrir des tombes la nuit dans les cimetières. Vous voyez, je fais toutes mes démarches pour chercher à voir s'il y avait un secours quelque part et je ne l'ai pas eu. Ok. Vous l'avez pas eu, et comment êtes-vous sorti dans cette vie, vous n'avez pas parlé, comment... Oui, c'est ça, je suis en train maintenant de vous dire que c'est par Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ de Nazareth... Le sambo des hauteurs, le sambo rendez-vous à Balongi, le sambo rendez-vous à Motonan Zambé, alléluia. Deko ko banga banga te, uyo asala elaka. Ako sakate ya umela ye ya bongwa nakate. Biblia italisi biso que sa renomme. C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Qui passe et les qui et si pas qu'à taille monice li dingue comme la qui va y colline à la et maïus mais si tu crois tu verras la gloire du Dieu et si seulement et comme maman ou ta colombo la gâteau tombe ou y aura sala et la ca tombe ou y aura pesa et la ca Kosalanga ingolo Likambo nangai na yeba esika ya zalie Likambo nangai na koma pembeni na yo Oh Yesu na mona elongi na yo Eyano nangai kuna nangoba lo sambo Eyano nangai kuna nangoba kokila Likolo ya ngomba Yesu, mokiti saka moto Likolo ya ngomba Yesu, yomoni saka nguya na yo Likolo ya ngomba Yesu, mokiti saka moto Likolo ya ngomba Colo, la sepeli
koyanola a cet appel à la montagne, Seigneur. Mumba ne arena yo Yahweh. Los sambo ne adresse au ciel na yo kolo. Los sambo ne fils de l'atterrissage na yo Nzambe. Alléluia. Eli valo, Mumba ne Oli kolo na Mumba ne. Oli kolo, ya sete. Jésus-Christ qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort. Isalaki. Sali peba na nzambe Nyoso kwete mosale salama Là, voilà, nous sommes de retour encore sur notre plateau. Interview avec maman Mutala Kabe, Françoise, une femme qui a été délivrée de l'absence des ténèbres, qui s'est transformée en serpent et tout ça. Donc tout ça, c'était parce qu'elle était en connexion avec la magie secrète, la rose croix, les fétichismes et bien beaucoup d'autres choses pour chercher même sa guérison de cancer de l'estomac. Maman Françoise, nous sommes là pour parler de votre guérison et délivrance. Comment en êtes-vous sorti de cette île de la magie? Comment en êtes-vous délivré? Pouvez-vous nous dire en quelques mots, rapidement? Donc, je vous disais que j'ai été délivré par la grâce de Dieu parce que je n'attendais plus à être délivré, j'attendais la mort. Et quand j'attendais la mort, mon père quand même, il a maintenant entendu un témoignage et qu'il a édifié. Et c'est là maintenant qu'il voulait vraiment me l'amener en Tanzanie. Mais à cette époque, le réveil a commencé à être donc important à Kinshasa. D'où Dieu a parlé à la servante de Dieu, maman Kassé-Kassa Philomène, et elle lui a montré la vision que les Kivus y avaient, que le monde entier était entre le main de l'ennemi, mais il y a peu de personnes qui essaient de faire ça, de sortir, et qu'il lui a dit qu'il devait aller précisément au Kivu parce qu'il y avait une personne qui devait être sauvée, donc moi. Et mes connaissances, elle a obéi seulement à la voix de Dieu. Ils sont allés avec le pasteur Pongo et ils sont arrivés vers là, et Dieu a commencé à faire des oracles avec beaucoup de gens qui étaient dans toutes sortes de problèmes, étaient guéris. La guérison qui a touché mon père, parce qu'on allait déjà vers la Tanzanie, parce que mon père a entendu un témoignage et il a voulu partir en Tanzanie avec moi. Mais la personne a témoigné devant mon père que comme votre enfant est sous l'emprise de la maladie, même l'état où elle se trouve, possible que si elle arrive là où se trouve, ces gens qui sont venus de la capitale, elle peut guérir. Si vous croyez. Et parce que vous voulez aller trop loin en Tanzanie, mais allez d'abord vers ces gens qui sont venus de la capitale. Ainsi, nous sommes allés vers là, et c'est là que le Seigneur m'a fait grâce, que j'ai trouvé la guérison, et que ils ont prié pour moi, et la démonstration de la puissance de Dieu a été vue par tout le monde, parce que moi, je n'avais pas de démons qui parlaient seulement comme les gens pensent, que les démons parlent seulement, je parle démons, non. Les démons soulevaient des choses, vous pouvez les voir dans l'espace, ils marchaient, ils parlaient, ils bougeaient dans la maison, ils pouvaient faire beaucoup de dégâts. Et même dans cette ville-là, ils sont restés avec une histoire, parce qu'ils ont vu les démons prendre les paniers des femmes qui venaient des champs, les faire circuler dans l'espace, et après... La maman, ils n'ont pas eu peur parce qu'ils avaient un vrai Jésus. Pendant que là-bas, il y avait des gens aussi qui avaient toutes sortes de puissances, de cultes ou de fétichisme, mais ils ne pouvaient pas
Essayez de voir ces Donc, maman, tout à l'heure, je vous coupe un peu la parole. C'est-à-dire, vous nous parlez d'une femme savante, une femme qui est venue à Kivu et à qui on avait montré une vision. Donc, on avait parlé de vous, c'est ça? Dieu l'air a parlé de moi, et il a parlé aussi de la mission du monde qui était encerclée par l'ennemi et qu'il devrait aller et que le monde, que les enfants de Dieu doivent aller et qu'elle spécialement avec l'autre pasteur devait aller là où il les envoyait au Kivu et que je serai délivrée. Donc, et la femme, elle était elle professait quelle foi, c'est-à-dire qu'elle professait... Elle est chrétienne, elle est servante de Dieu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à nos jours, c'est une femme connue de plusieurs personnes, elle a même... elle passe même à une émission que j'ignore la fréquence à Kinshasa et qu'elle... Elle est servante de Dieu et qu'elle a... Et c'était en quelle année alors? 83. Ah, à 83, ouais. Voilà, donc c'est à 83 que maman Lutala Françoise a été délivrée de possessions démoniaques, si je comprends bien. Ouais. Voilà, et en même temps de votre maladie, ou bien la maladie... Non, tout là, les démons d'ailleurs, quand ils sont partis, ils ont fait les dégâts en sortant de mon corps. Ils ont brûlé tout l'espace qui était là. Ah. Le physiquement, c'est pas un rêve ou quoi, c'était brûlé, les gens ont vu... Il y a eu un tourbillon qui est allé et qui a pris la forêt, parce que chez nous là-bas c'est la forêt, et ça a commencé à brûler, presque un état. Selon les témoins qui sont restés dans cette partie-là, et c'était précisément à Katanti. Et on m'a dit que là, il n'y avait rien qui poussait à cette place-là. Et c'est avec la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pour dire que il y avait un autre Jésus. Parce que quand j'étais dans la magie, c'est que là, dans la rose, quoi, j'avais choisi comme maître Jésus. Et mais comment un maître Jésus qui pouvait pas me sortir de tout ce qui était à moi? Ah, et ce jour-là, il y a eu vraiment la démonstration de Jésus de Nazareth, qui est le réel, et qui m'a délivré de cela, et que je suis sorti de chaînes de Satan. Et ce n'était pas seulement les chaînes des démons, mais aussi la maladie avait donc disparu instantanément. Le jour de votre délivrance. Oui, la maladie avait disparu instantanément parce que je mangeais pour la première fois, j'ai dormi parce que je ne pouvais pas dormir. Avec les démons, on ne dort pas, tu es esclave, ils décident, ils font tout ce qu'ils veulent sur toi. Et tu n'as pas main libre. Voilà, très intéressant. Une femme qui était possédée des démons qui n'avait pas la paix, parce qu'avec les démons, vous n'avez pas la paix. Voilà, c'est très intéressant. Et puis, là, vous avez dit, vous êtes aussi guéri de votre maladie du cancer instantanément. C'est-à-dire, vous avez senti en vous-même tout ce que vous n'arrivez pas à faire étant malade. Vous avez commencé à le faire. J'ai commencé à manger parce que je ne mangeais pas. Mmh. Hein, parce que j'étais mouillé artificiellement. Alors, à propos de ce Jésus, il y a actuellement aussi quelqu'un de nous qui dit que Jésus, c'est une histoire de juifs, hein, et c'est le Dieu des juifs, il est temps que nous servons nos ancêtres. Vous, qu'est-ce que vous dites à tous ces gens? Si parce que Jésus est le Dieu des juifs, il est une histoire des juifs, les prophètes des juifs, trouvez-vous votre prophète, tel que Simon Kimbabou? Je ne sais pas, je profite de l'occasion, j'improvise. Par exemple, le prophète Simon Kimbabou, par exemple, et les nôtres. Vous n'avez pas eu le temps aussi de l'invoquer, mais vous n'avez pas connu le don de Simon. Mais ma soeur a invoqué. Comparément à ce Jésus que vous. Moi, ma soeur a été kimbanguiste et elle est morte par les sorciers qui ont tué ma soeur. Et elle a invoqué Kimbango, c'est pourquoi elle est allée mourir même dans le souci de me trouver guérie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait à sa manière dans son kimbanguisme. Mais elle est morte d'une façon bizarre. Et moi, je vous dis que. Je sais que Kimbangu avait reçu l'appel de Dieu et il a fait des vraies professions, des vraies prophéties. Mais le problème, c'est quoi ici? Quand Kimbangu meurt et laisse parce que c'est lui qui était appelé comme prophète. Il a donné ses prophéties. Mais quand ses enfants viennent maintenant
prendre la... Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans la Rose-Croix, ils entrent dans la franc-maçon, ils entrent dans tous les dieux européens, et pour dire qu'ils sont toujours dans le dieu des ancêtres. Hein? Et ils prennent... Parce que d'abord, la Rose-Croix autorise tout ça, la sorcellerie et tout. Et ils sont dedans. Et les fidèles aujourd'hui, je regrette, parce que les gens sont là, et quelqu'un qui a utilisé, ils ont pris la Bible pour commencer à confectionner une histoire, ce qui parle. Mais c'est quand même drôle. Et c'est pas sérieux. Parce que l'histoire des Juifs, Jésus comme étant juif, lui le juif, comment il est venu me guérir là-bas, très loin, au fin fond de Kivu, où je ne suis même pas en contact des Juifs, mais là, dans le fin fond, je ne l'invoquais même plus Jésus à cette époque-là. Je ne cherchais pas, je ne croyais plus à rien. Mais la grâce, parce que c'est lui qui a la clé de la guérison du corps humain, parce qu'il est le créateur de ces choses. Parce que comment si tu amènes un véhicule chez le garagiste, il n'y a que le spécialiste qui peut réparer ta voiture. Mais mon corps était réparé parce que c'est allé vers les spécialistes. Mais les autres sont des gens qui t'attendent et ils n'ont rien. L'avoir avec le salut. Je pouvais guérir de mon corps, mais qui aurait pu me guérir de mon âme, mon esprit? Qui? Personne. Il n'y a que lui qui a l'âme. Donc, vous confirmez que votre délivrance et votre guérison, la femme au passage qui vous, elle avait utilisé le nom de Jésus. Alors que vous nous parlez aussi d'un autre Jésus que vous citiez dans la Rose-Croix, que vous l'avez choisi comme maître. Ouais. Celui-là, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Pendant que je cherchais la guérison, il y en a plusieurs en tout cas, même celui qu'on me voyait dans la magie secrète dans le cimetière, c'est un autre Jésus, hein, il y en a plusieurs, mais celui le vrai, celui le Jésus-Christ de Nazareth, quand vous le rencontrez, il n'y a pas de doute qu'il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Voilà, ça c'est la confirmation aussi de maman Françoise Boutin. Je ne suis pas en train de poser aussi la question comme si je ne connais pas ce Jésus. Je sais que ce Jésus de Nazareth a bien fait des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes, moi-même y compris. Mais maman, ce que je peux quand même dire, comme moi, je ne sais pas, quel est le conseil que vous donneriez à tous ceux qui sont dans ce monde-là, dans cette vie de ténèbres que vous avez passée, à présent que vous êtes libéré de ça. En fait, j'ai oublié de vous demander aussi comment avez-vous ressenti après votre délivrance, comparément à la vie que vous avez menée, lorsque votre vie était contrôlée spirituellement par ce monde de ténèbres. Comment était votre vie? J'étais libre. La première chose, c'est la liberté que j'ai sentie, parce que je pouvais dormir maintenant comme un enfant, et je pouvais manger. Je pouvais manger normalement comme tous les autres humains, parce que je ne pouvais pas manger avant ça. Je pouvais pas manger. Et maintenant, je pouvais manger, je pouvais dormir, je pouvais faire tout ce que toute personne fait. Et j'avais la paix, et j'avais vraiment l'espoir, et j'avais le début d'une nouvelle vie. Et ça, c'était le plus important que je ressentais. Vous pouvez maintenant dormir calmement. Et vous le voyez même que je dors calmement, que je dors très bien même. Ok. Je dors quand je veux. Ok. Alors, voilà, vous qui êtes dans cette vie, avec toutes ces histoires, il n'y a que le chemin de Jésus qui peut sauver. Et c'est Jésus de Nazareth. C'est-à-dire le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui lui est celui qui donne la paix, la guérison, la délivrance, quel que soit le profondeur, le ténèbre que vous retrouvez. Donc, nous avons un témoignage vivant, une preuve tangible de la conversion de maman Françoise Moutalakabe. Maman Françoise, être guérie, bénéficiée des possessions démoniaques, vous amène-t-il à servir ce Dieu-là et de le prêcher l'évangile, ou avez-vous aussi reçu l'appel de lui servir? D'abord, par les contacts avec la parole de Dieu
Et quand les hommes, parce qu'il y a certaines, dès que vous recevez le Seigneur, la seule chose qu'il faut faire, c'est chercher à connaître d'abord le Seigneur. Il ne faut pas vous arrêter à la guérison ou à la délivrance. Il faut progresser. Donc, je progressais, je fais tout mon mieux pour connaître qui je venais de rencontrer. Et je l'ai cherché, je l'ai d'abord reçu ensuite, et j'ai même été baptisé, et j'ai même commencé à travailler. Mais le Seigneur m'avait parlé clairement, parce que dans ma délivrance, j'ai eu la chance d'avoir une visitation surnaturelle, où le Seigneur m'a dit qu'il m'a délivré pour que j'aille annoncer aux autres qui sont dans la possession de quitter et d'accepter la grâce que Dieu leur donne encore aujourd'hui. Parce que la grâce est disponible pour toute personne qui veut venir, qui veut laisser l'autre voir et venir vers le Seigneur. La grâce est disponible pour tout le monde. Et Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde peut recevoir la grâce. Maman Françoise, un mot pour l'église de l'Allemagne que vous avez traversée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église de l'Allemagne et pourquoi pas pour les églises du corps de Christ, quoi? Un mot pour l'église du corps du Christ, pour l'église de l'Allemagne, c'est que je voudrais que l'église d'abord s'unisse, que nous soyons une seule personne, parce que c'est ce qui faisait la force des apôtres. Les apôtres avaient tout en commun, mais nous n'avons pas tout en commun. Et tout le monde, il y a des gens qui passent à fragiliser les autres, par exemple, les gens qui veulent que les femmes se taisent et qui n'ont rien à dire là, dans les choses de Dieu. Il y a aussi d'autres pasteurs qui diabolisent d'autres. Et là, si nous marchons dans cette façon de voir les choses, nous n'allons jamais avancer. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment nous unir et savoir que nous avons, nous tous, nous prenons un seul maître. Et si un de vous connaît mieux, alors, humiliez-vous, parce que l'humilité, hein, si nous vivons dans l'humilité, dans l'amour, dans la transparence, nous pouvons faire plus. Nous avons le salut du monde entier dans nos mains. Mais nous sommes en train d'échouer. Parce que quand nous ne voulons pas nous humilier devant la main du Seigneur, nous cherchons à faire ce qui est à nous. Alors là, nous perdons énormément et l'ennemi avance à grands pas. L'ennemi est vraiment tenté d'avancer à grands pas. Ok, merci beaucoup pour le conseil de l'église. Maman Françoise est en train de conseiller toutes les églises de la Vagne. Et puis, Maman Françoise, qu'est-ce que vous allez dire à moi pour les femmes de Kivu? Parce que ici en Afrique, nous sommes aussi en train de ces femmes-là. Mmh. Et bien évidemment, nous soutenons leur... nous sommes en train de les soutenir aussi. Mmh. Si vous voulez, en tant que Kivusienne, aussi comme vous êtes, je ne sais pas comment est-ce que vous sentez les guerres qui sont là-bas, à l'est du pays, les viols, les massacres et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce dossier-là, par exemple? À propos de ce qui se passe au Kivu, je suis moi-même impliquée profondément parce que, pas seulement parce que je suis une femme du Kivu, mais parce que je sais que c'est injustement que le multinational nous inflige cette souffrance que nous avons, qui n'est pas notre. Et que je dis à mes sœurs de tenir bon. Nous n'allons jamais les laisser. Nous combattons jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Et nous les aiderons à la portée de nos moyens. Et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, à notre force de faire pour les aider. Mais nous combattons jusqu'à ce que notre pays et surtout les Kivus soient free. Pour le moment, quand on veut intimider les Kivusiens de ne pas continuer à sécuriser la population, nous ne serons pas intimidés. Nous savons que nous allons combattre jusqu'à la fin. Et Nikona Sema Apa, Bandugu, Kivu, Bandugetu, Banaume, Mopikane, tout Mouko Banaume, Moussiachili, Moutoukou, Intimidé, Moussiachili, Atabarakana, ma arme, à qui la modèle, Atabarakana, ma caméra, à la manière sophistiquée. Tout ce qui est à votre pouvoir, Dieu a sécurisé, nous donnons,
Merci beaucoup, maman Françoise Lutala Kabela. Vous êtes à la fin. Et évidemment, aussi, nous avons quelque chose qui nous effraie. Nous savons pas de la mission de déployer la force neutre qui va aussi descendre à Kigou pour traquer tous les groupements armés. Maman, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Non, c'est une intimidation de la communauté internationale. Et nous restons debout. Nous allons vraiment combattre ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons que le coupable est là. Le coupable, c'est l'M23 qu'ils ont créé pour mettre là-bas avec un armement. Mais nos enfants qui sont dans qui essayent de défendre seulement la population, tant bien que mal, sans armes, et qui ne sont même pas des terroristes. C'est eux les terroristes, c'est eux qui viennent nous tuer, c'est eux qui viennent nous violer, c'est eux qui viennent nous voler. Et c'est pour ça qu'ils sont tentés de nous intimider. Nous ne serons pas intimidés par la communauté internationale. Écoutez bien ça, jusqu'au dernier. Et vous êtes en train de créer quelque chose que vous ne saurez jamais contrôler. Ça, je vous le dis. Ça, quand nous allons nous lever, et mais qui vous voit, il est déjà levé. Nos bien-aimés, ils sont levés. Ils vont jamais vous laisser pénétrer nos forêts. Ils vont jamais vous laisser venir encore tuer. Parce que les femmes se font violer aujourd'hui. Aucune personne ne peut aller au champ. Aucune personne ne peut faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas peur de ce que vous êtes en train de préparer. Nous savons que nous allons nous défendre et nous allons vous mettre, nous allons vous renvoyer la honte. Vous, la communauté internationale et les multinationales qui sont en train de vous préparer à cause de vol de nos ressources, vous allez échouer parce qu'il y a un Dieu qui voit qu'il y a des populations qui sont en train d'être maltraitées, tuées pour rien. Mes frères, mes sœurs, ne vous laissez plus intimider. Même les femmes, ne vous laissez pas intimider. S'il faut que vous puissiez apprendre comment il faut lutter, il faut lutter. Même si nous devons quitter ici pour aller lutter aux côtés de vous, nous le ferons. Alors ne vous laissez pas intimider. Ah là, je vous ai ressenti la voix d'une combattante, la voix d'une patriote, la voix, vous avez vraiment vibré et j'étais étonnée, j'ai compris que maman Lutala, elle est aussi active pour voir ce qui se passe à Kigou et bien évidemment multinationale. La communauté internationale et toutes ces histoires et tous ceux qui ont décidé, les qui vous tiennent veulent bien comprendre que cette force neutre qui descendra ne pourra pas cibler les patriotes résistants, mais bien au contraire, ceux qui sont vraiment vus comme des agresseurs selon les rapports officiels. Ce sont des agresseurs. Et même la communauté internationale sont des agresseurs. La Monique est un agresseur du Kivu. Toutes les personnes qui sont en train de préparer pour descendre au Kivu sont des agresseurs du Kivu. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Quand la Monique est descendue en 94, ils ont aussi filmé et violé les femmes. Moi, j'ai été témoin et je suis aussi une des victimes. Et vous n'allez plus faire cela. Oh là là. Voilà, donc nous arrêtons notre interview. Voilà, maman était bien au chaud. C'est une femme qui a traversé beaucoup de choses. Mais bon, elle est bien réservée. Nous sommes aussi... déjà, c'était juste pour qu'elle donne son témoignage sorti des ténèbres et tout ça, mais cela n'empêche pas. Le Kivu ne va pas bien. Le Kivu est ciblé. Le Kivu, il y a des choses qui se passent là-bas. Ça ne nous plaise pas. Nous sommes pour les femmes africaines se retrouvent vraiment dans son épanouissement, dans la consolidation de son émancipation. Et bien évidemment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cette interview spéciale avec maman Lutala Kabela. Françoise, vous avez entendu une femme qui a vécu dans le monde des ténèbres et qui a vu la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth, le Christ, c'est-à-dire le Saint, le Messie, qui a délivré cette femme et par son nom, elle a retrouvé la guérison de sa maladie cancéreuse de l'estomac. Une façon de dire qu'il est réel, il est puissant, il est au-dessus de toute puissance ancestrale, il est au-dessus de toute puissance de la magie. Et ça, tout qui écoutait, le spirituel contre le naturel, en Afrique, est en train d'interpeller les Africains, de comprendre que tout esprit qui contrôle votre vie, si c'est une bénédiction pour vous, ça va amener votre vie dans la paix. Maman Françoise a vécu dans la souffrance. Elle n'a fait pas la paix. Elle n'arrivait pas à dormir. Et maintenant, elle dort très bien. Elle n'a pas de problème. Elle n'est plus possédée. Et c'est un témoignage qui date de 1983. Aujourd'hui, elle est une servante de Dieu.
qui libère la parole de Dieu et qui prie pour les malades, pour des gens possédés et tout ça. Mais sans oublier étant aussi patriote, elle compatit aussi pour la souffrance de ses frères et sœurs de Kivu. Et nous sommes en éveil pour tout ce qui concerne le déploiement de la force neutre. Et nous voulons qu'on attaque les agresseurs. Et alors, selon elle, elle a dit bien la communauté internationale est bien aussi partie des agresseurs, nos discours agresseurs. Et si on doit viser l'agresseur, eux-mêmes doivent d'abord se faire arrêter. Et même, c'est impossible. Mais alors, nous sommes quand même en train de continuer de poursuivre l'évolution. Ça, c'était les arguments de Maman Françoise Moutala. Nous avons écouté. Nous tenons aussi cet avis pour compte son argument et nous allons aussi analyser ses propos dans nos recherches et nos réflexions entre l'équipe Jean de Amafrica. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci vous qui nous avez suivis. C'était donc l'interview avec Maman Françoise Luta Lakabé qui vit en Londres et qui a aussi beaucoup de choses aussi à faire à Londres là-bas. Et bien évidemment, tous celui qui voudrait être en contact avec Maman Luta Lakabé, prière de contacter Amafrica, nous vous orienterons pour être en contact avec Maman Lutala. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et soyez toujours branchés dans la radio Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. Voilà, donc nous disons merci à tous. Bote Boutou Malamou Nabateko, Toko Yali Susuna, Radio Nadiso Amafrica, Radio Yakope Sape Yako Yamba. Boutou Malamou. Bonne soirée et au revoir. Merci, Lorégie. Si vous pouvez nous balancer la musique et quitter le studio. Allô, 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 allô. Nous sommes à la fin.